Là, je viens de voir une dizaine de cochons devant les chiens. Une dizaine de cochons. On revient. Cette vidéo commence un matin de décembre où nous découplons les chiens sur une compagnie de sangliers qui a été vue rentrante dans l'enceinte au petit matin en faisant les pieds. Là, Népal. Là, 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 et là, et derrière. Et alors? Allez, hop. Hop, 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 et derrière. Et derrière, hein. Derrière. Népal, 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 Népal. Il était là! Il va pas rester là, ça fait. Cependant, nous n'avons pas eu le temps d'aller jusqu'au point d'attaque, puisqu'un sanglier d'environ 40 kg qui était bougé au bord du chemin vient de partir au nez des chiens. La voiture étant pas loin, on en profite pour ouvrir les quelques chiens qui restent. Coute ! Coute ! Yeah.
Le sanglier vient ensuite se faire chasser dans une belle coupe au bord d'une route que vous connaissez sûrement si vous avez visionné ma dernière vidéo. Doucement! Doucement! Là! Là! Doucement! 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 Là! Là! Putain! Côte! Côte là-bas, côte! Côte Silver, côte! Côte! Ils sont là! Tous les chiens sont fermes au-dessus du tas de bois là où le gars fait le bois là, au bord de la route. Ce sanglier a en fait rejoint la troupe qui avait été vue au petit matin. Nous faisons donc un maximum de bruit pour éviter que les sangliers traversent la route. Au final, un sanglier sort du carré et sera prélevé par un posté. Pendant que nous récupérons les chiens, Népal chasse tout seul dans l'enceinte une dizaine de petits sangliers d'environ 20 kg qu'un posté tire et blesse l'un d'entre eux. Nous nous empressons donc de découpler quelques chiens sur cet animal dans l'espoir de le retrouver. On a rattrapé Népal là, Népal est dans l'eau maintenant. Je pense que Népal l'a laissé là dans le marais là, on va bien voir. Pendant que je monte tant bien que mal cette fameuse côte,
Revoyons la scène de tir du copain que sa femme a pu filmer avec son téléphone. Oh putain! Bon, c'est mort pour le sanglier blessé, là je viens de voir une dizaine de cochons devant les chiens. Une dizaine de cochons. On vient juste relancer là dans les bois là sous des houles. Après un beau fort allongé, les chiens relancent toute la troupe de sangliers que le copain venait de tirer. La meute trie un animal et le chasse bien groupé, espérant que ce soit l'animal blessé. Ça redescend! Thank you.
Ça prend tout le fond là en direction de la. Attends, bouge pas, je crois bien que Népal est aux fermes là sous les temps, ça va relancer. Ouais, les chiens sont juste en dessous là. Je sais pas si c'est pas le blessé là, il tourne en rond là dans le marais, là dans les petites ronces basses. Allez, va bien ça. Bon, je laisse chasser hein, pour l'instant. Je suis à côté de toute façon, là. Je suis juste à côté là, avec si des fois il y a plein d'afflecs. Si des fois ça passe pas trop loin de la voiture, tu ouvres. Après trois quarts d'heure de chasse, ce sanglier sera également prélevé par un posté. Cependant, ce n'est pas l'animal blessé. Je repense donc au moment où on a rattrapé Népal lors du fort longé. Souvenez-vous. On a rattrapé Népal là, Népal est dans l'eau maintenant. Je pense que Népal l'a laissé là dans le marais là, on va bien voir. J'ai donc un doute que le chien l'ait laissé ici. Je décide donc de refaire l'enceinte avec Népal et Neptune, deux chiens qui tiennent parfaitement le ferme sur un animal mort.
Après 5 minutes de quête, les deux chiens partent le nez en l'air en donnant de la voix. Il n'y a pas de doute, il y a bien un sanglier dans les coins. Oui, oui, les chiens sont dans la coupe là, mais je sais pas, attends. T'es ça vient de démarrer là, mais c'est pas le blessé. Hein. Va vite à... Un machin de 40 kilos là. Népal avait bel et bien laissé un sanglier ici, mais malheureusement, ce n'est toujours pas le sanglier blessé. Mais où a donc pu passer ce sanglier? Était-il dans la troupe que nous avons relancée? Si c'est le cas, la blessure n'était sûrement pas mortelle, puisque les chiens l'auraient sûrement choisi. Ou bien, s'est-il écarté à un moment donné sans que les chiens prennent sa voix? Il y a tant de questions que l'on peut se poser le soir en s'endormant et qui restent sans réponse. Mais ce sont ces mystères de la chasse qui rendent la chasse aux chiens courants si passionnante.